Cela faisait des dizaines d'années que cette halle de stockage ne servait plus. Grâce à l'espace libéré par sa destruction, les voies seront allongées, ce qui permettra de mobiliser des trains plus longs et donc plus remplis. Dans le même temps, la circulation des camions venus décharger pourra être rationalisée. La gare bois de Châtillon-sur-Seine est la première de France. L'objectif est qu'elle le reste, en aidant la filière bois à se développer. La gare bois, c'est un outil majeur pour la filière bois en Bourgogne. Et on peut dire que c'est un outil essentiel pour la valorisation de la ressource bois en Bourgogne. Notre but, avec le conseil régional et la préfecture de région, c'est d'aménager ces gares bois et de donner un outil à la filière bois qui soit le plus performant pour trouver des débouchés au bois de Bourgogne. Un exemple d'intermodalité réussie puisque 50 trains peuvent remplacer 2000 camions, ce qui constitue un sérieux atout lorsque les distances sont longues. Et puis, contrairement à d'autres régions où la forêt a été fortement détruite, la Bourgogne a été relativement épargnée par la tempête. La marge de croissance de son activité bois est donc plus importante qu'ailleurs. Et la Bourgogne a été touchée par la tempête, naturellement, mais moins que certaines autres régions. Et après l'évacuation des bois de Chablis, il restera beaucoup de ressources de bois en Bourgogne pour alimenter les industriels. Un enjeu tel que la filière bois, l'État et la région se sont donc associés au projet. Après Châtillon-sur-Seine, plusieurs autres gares seront réaménagées à leur tour, de façon à créer un réseau unique en France.